Une nouvelle du week-end nous vient du stade Camelina de Saint-Pierre. L'USSP a été repêché en fédéral 2 suite à la rétrogradation du stade nantais. Le malheur des uns fait donc le bonheur des autres, et tout particulièrement le bonheur du président Jean-Claude Maurice. On a fait une réunion exceptionnelle où il y avait tous les joueurs étaient présents, pratiquement tous les joueurs. Et l'unanimité, il n'y en a pas un qui a levé la main quand je leur ai demandé où on joue en fédéral 3, où on joue en fédéral 2. Et surtout, on est dans la poule de Tours et du Stade Poitevin. Mais surtout Tours, je crois. Je crois que ça a été une joie immense pour tout le monde. Tout le monde a applaudi. Hein, et je crois que bah pour moi c'est super. Je reste persuadé que tout le monde a envie de défendre les couleurs de Saint-Pierre. Et on attend tous ce jour merveilleux qui va être le 9 novembre. Et le 8 mars, le retour à Saint-Pierre. Rencontrer le Vessour, c'est un énorme plaisir. J'aurais préféré pas le rencontrer qui joue quand même en Fédéral 1, parce que c'est certainement leur place. Mais ceci dit, maintenant, nous, on est en Fédéral 2 et eux, ils sont en Fédéral 2. Les rencontrer, c'est énorme. C'est sûr que pour moi, c'est un plaisir immense. Mais mes joueurs, j'ai le sentiment d'aller jouer à Tonnelay pour certains qui ont déjà foulé la pelouse de Tonnelay, mais avec les couleurs de l'US Tour. Rejouer contre leur club, parce que c'est toujours tous notre club, l'US Tour. Les amoureux de l'Ovalie et des derbys passionnés ont donc noté sur leur tablette. Le match aller à Tonnelay, c'est le 9 novembre. Si les murs ne tombent pas, ils vont sans aucun doute trembler.